Au pied est du Cebreiro, montagne mythique qui sépare le León de la Galice, comme le col de Roncevaux divise et réunit à la fois les deux parties du Pays Basque, voici Villa Franca del Bierzo. Une cité riche en églises, en monuments, en histoire. Ici, à cause du chemin de Compostelle, se sont successivement installés les Francs, puis des moines de Cluny, appelés en Espagne par le roi Alphonse VI. Mais aujourd'hui, entre l'église Santiago, à nef romane unique, et le château fortifié de Villa Franca, les pèlerins identifient d'abord cette étape au gîte, au refugio, tenu par un personnage quasiment légendaire, Rato. Ce que les pèlerins, et plus encore les pèlerines, connaissent le mieux de Rato, ce sont ses mains. Rato possède en effet un pouvoir, un fluide, qui capte et galvanise les énergies, qui efface les douleurs, redonne le cœur au ventre et le rythme aux jambes. Réalité ou supercherie, allez savoir. Ce qui est sûr, c'est que les cheminants préfèrent de loin le gîte de Rato à celui qu'a construit tout près la municipalité. Voilà moins de 10 ans, il n'y avait rien, strictement rien à cet endroit. Rato et ses amis ont tout construit de leurs mains. Et ils continuent, puisqu'une deuxième aile du refugio devrait venir compléter la première, si les moyens et les bras le permettent. Le principe est simple, si vous rejoignez l'escouade des artisans de fortune, vous aurez droit au gîte et au couvert aussi longtemps que vous le voudrez. L'extension du refuge devrait permettre d'avoir des dortoirs plus vastes, y compris un dortoir insonorisé pour les pèlerins ronfleurs. Les pèlerins ronfleurs auxquels Rato voue une tendresse toute particulière. Un dortoir sans ronfleurs, dit-il joliment, c'est comme un jardin sans fleurs. Pour l'instant, fleurs et ronfleurs sont logés à la même enseigne, au-dessus du restaurant, sous les toits. 80 au total, chaque nuit. Je m'appelle Jorge de Oliveira, je suis brésilien, de Rio de Janeiro, je suis avocat, je vis près de la baie d'Ipanema, très précisément à la rue Silva 16, appartement 302, mon numéro de téléphone pour mes amis du chemin de Compostelle, et aussi vous si vous en avez besoin, c'est le 247-777. Je suis un citoyen et un pèlerin qui se rend à Santiago de Compostela. Mais vous qui venez du Brésil, vous connaissez forcément le livre de Paulo Coelho. Alors pour vous qui avez fait ce chemin maintenant pour la deuxième fois, c'est un livre de vérité ou pas? Non, le journal d'un mage, puisque c'est le titre en portugais, c'est pas exactement conforme au chemin de Compostelle. Ce qui est important, c'est que Coelho est un homme qui fabrique sa propre légende. Après vérification, je peux dire que plusieurs parties du livre, ce sont des légendes. Et toute légende contient une partie de vérité. Puis une partie peut-être d'illusion ou de fantaisie. Fantasias. Thank you.
Au terme de ce voyage initiatique, les drôles de pèlerins que nous sommes auront-ils rencontré Dieu? C'est là un secret intime que chacun gardera pour soi. Ce qui est sûr en revanche, c'est que nous nous serons frottés à d'autres hommes, d'autres âmes, d'autres vies, et aussi que nous nous serons nous-mêmes trouvés ou retrouvés au détour d'un chemin, d'un émerveillement, d'une solitude, au point que la foule de Saint-Jacques de Compostelle nous effarouchera jusqu'à nous faire repartir plus à l'ouest encore, jusqu'à cet endroit dont parlent les grimoires et où le soleil se couche dans la mer.